the sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Merci de nous suivre. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. Ça fait une deux, vas-y. On a roulé et en fait on est en Ille-et-Vilaine. C'est ça. Je crois que c'est ça. Et en fait on est aux portes de Mont-Saint-Michel. Et je suis à rouler. Oh, c'est pas ça? Mais en fait il faisait mauvais. Il faisait mauvais, ils avaient annoncé du mauvais temps, donc on a dit ben, on s'en va. Allez, on s'en va. C'est quoi ça? Ça, c'est des spots comme on n'aime pas. Mais bon, ça dépend de bien. À 16,50€ pour 24 heures. Alors, mais moule frites, papa! Couplé. Et ouais, il faut tous ces places. Mais au moins, il y a des trucs pour les camping-cars. Voilà. Moi, ça, j'aime. Très bien. Que ce soit serré ou pas serré, au moins, il y a du stationnement pour les camping-cars. Ça, c'est bien. Bon, ça, c'est très touristique quand même. Hein. Ben, ça, c'est vrai. Voilà, quand tu veux, ben, tu viens te faire plaisir. T'as vu les distributeurs de pain encore? Alors, attends, il faut passer par Port-Ourson, hein. Tu te trompes pas. Hein. Nous, c'est tout droit au GPS. De toute manière, on a mis le GPS. Ça, c'est le petit soisseau. Petit soisseau. C'est des suicidaires, le petit soisseau. Pour ça la batterie, je sais pas si elle va tenir le coup le temps que... Je pense qu'à la sortie là tu risques de voir le Mont-Saint-Michel. Alors du coup, d'après ce qu'on lui a demandé, si on était à côté, alors il y a des navettes pour aller au Mont-Saint-Michel. Ouais. Mais on ne peut pas mettre les chiens. Non, ils sont interdits, les petits chiens. Bon, en plus, Molly, on ne veut pas trop la manipuler. Ouais. Ah, mais là c'est le truc. Ouais, c'est pour les. Ouais. Alligator. Et du coup, le Mont-Saint-Michel en face. Ah ben voilà, vous le voyez. Ah ben voilà, nickel. Je pensais pas qu'il était si près. Ouais, ça fait bizarre. Et du coup, on serait qu'à 2 km à pied. On peut y aller à pied, donc 2 km c'est rien quoi. Et on rigole, 2 km. On marche bien. On y va avec les pieds attachés. Quand même. Bon, de toute manière, on vous montrera ça. On voit la pointe. On vient de taper le code pour entrer. Et toi, tu vas là. Attends. Elle a dit parking privé. Voilà, parking privé là. Voilà. Bon, c'est joli. Ouais. Honnêtement, t'es mieux que là-bas. Bien sûr. Oui, tu viens de lever la ceinture. Ceinture. C'est parce que j'ai enlevé la ceinture, je l'ai pas remise. Là. C'est très bien, hein. Alors là, ça me plaît. Camping-car. On lui a dit si on pouvait dormir, mais qu'on ne voudrait pas au resto. Donc du coup, il nous a dit oui, vous pouvez dormir sur le parking. Vous ne servez pas d'électricité, ni rien. Non, ça va, on est autonome. Et du coup, on va aller voir le Mont-Saint-Michel. Il a dit demain, vous y allez avec le camping-car, vous pouvez vous approcher. Parce que nous, on ne va pas aller le visiter, parce que tout le monde nous dit c'est au taquet, c'est même pas la peine, c'est à bloc. Donc du coup on va le voir de loin. Ben les amis, à tout à l'heure. Bon ben du coup je vais vous montrer. Hein. Je vous montre à l'intérieur. Hein. Oh, ça fait drôle, ça fait comme une petite ville où tu payes ton droit d'entrée en fait. Là c'est pour aller au Mont-Saint-Michel quoi, c'est l'accès au Mont-Saint-Michel. Sandwicherie, salon de thé, vous voyez, regardez, il y a de quoi faire. Hein. Les sportifs, les restaurants, le pré-salé.
Alors je ne sais pas si tous ces restaurants là on peut se garer parce que c'est vrai que je vois pas de camping-car. Non. Ça m'interroge quand même. Il n'y en a aucun. Ouais. Bon, nous on s'est garé, comme je vous ai dit, au restaurant, à l'entrée à droite. Hein. Alors le parking, il le laisse gratuit. Hein. Mais après, si vous voulez plus, il faut aller au resto. Mais de toute manière, vous regardez sur la vignette que je vous ai mis. Des voitures passées quand même. Alors restaurant, ouais, la ferme Saint-Michel, bon, c'est bien ça. Tiens Doudou. Alors là, je vous montre. Hein. Alors vous voyez, là vous avez la ferme, là avec le restaurant, et là-bas les camping-cars. Et nous on s'était au bout là-bas, on s'est mis au bout. Carte bleue. Oh, tu payes quand même 9,99€, je crois, ou 9,99€. Ouais, pour la journée. Pour la journée. Alors, one ticket. Là. En haut, papa, tu l'as en haut. Ouais. Là, c'est, ouais, mon cœur s'est fait pour le camping-car. On le prend. Alors, insérez votre carte utilisateur. Non, c'est pas là. Attends, ça c'est carte bleue, c'est là. Voilà. Alors montant restant 9,80€. C'est vrai qu'il n'y a pas de protection, ça peine l'eau, tous ces trucs là. Voilà, ben c'est bon. C'est bon. Oui. Prenez votre justificatif. Non, ça ira, merci. Bon. Non mais ça ne s'ouvre pas les barres. Voilà. Et voilà. Tu ne prends voilà. Pas, les barres ne s'ouvrent pas. Voilà. On prend le justificatif. Bon, ça vaut le coup, hein, 9,90€, ouais, ça vaut pour venir dormir. Voilà. En plus, si vous vous levez le matin, bonne heure, vous pouvez aller déjeuner. Il y a plein de... Ouais, de bars. De bars, tout ça, pour aller déjeuner. Pour déjeuner. Oui, je mets la ceinture. Allez, la ceinture, bébé. Est-ce que c'est moi? Heureusement qu'ils ne sont pas comme ça tout le temps. Hein. Oh, t'es. Ça fait comment? Non, j'ai trouvé que finalement c'est un bon plan. Finalement, voilà, c'est un bon plan pour 10€. C'est un bon plan, mais vous pouvez prendre les navettes pour aller là-bas. Voilà. Bon, après, ceux qui veulent plus de commodité, vous avez des campings autour. Hein, oui. Bon. Allez, à droite. Alors là, Doudou, elle a trouvé un spot, bon, un spot de ville. Hein. Un spot de ville. Ben, comme avec, il pleut. Avec l'eau, voilà, avec l'eau. Il vaut mieux. Hein. Vidanger et tout. Bon, il y a un lac pas loin, hein, d'après ce que j'ai vu. Bon, de toute manière, on va par là-bas et on verra après. On verra chaque chose sur le temps. Bon, avec regret, là, on quitte la Normandie, la Bretagne qu'on a fait. Bon, ben, on fera ça l'année prochaine. Mais ce qu'on n'a pas fait. Voilà, exactement. Bon, mais on se préparera mieux. Parce que là, on a voulu partir à l'aventure. Alors, c'est vrai que c'est bien. C'est bien, on est parti à l'aventure. On a vu certains coins. Comme ça par hasard. Mais on notera. Mais c'est vrai que là, il vaut mieux noter. On notera les points. Là, Beauvoir. Là, nous sommes à Beauvoir. Ouais, il y a des bars, restaurants. Il y a la ferme Alligator Tortue. Et c'est quoi l'autre? Ouais, voilà, si tu rencontres une tortue ninja. Toda. Oui, oui, oui. Ah, il pleut aujourd'hui. Ben, c'est la première fois qu'on a vraiment ce temps-là. Hein. Bon, ben, les amis, on en profite qu'on roule et qu'il pleut. Hein. Et comme on est en train de redescendre, on va vous faire un petit compte rendu de notre ressenti. Là. Oh punaise, partout. Hop là, hop là. De la Bretagne. Bon, la Normandie, pas trop parce qu'on a fait que le Mont-Saint-Michel.
Bon, c'est vrai que de loin, on commence par le plus petit. Allez, c'est José Michel, parce qu'on n'a fait qu'un truc. Voilà. C'est vrai que de loin, bon, il a l'air magnifique. Il a l'air. C'est dommage qu'il y ait trop de monde. Il y avait trop de monde. Je pense que ça, il faut tomber bien et le faire en hiver presque. Peut-être, ouais. Et que tomber un jour qu'il ne pleut pas. Parce que, bon, c'est vrai, là, avec cette pluie, là, même si vous mettez dans un camping, pour être enfermé et payé, je préfère être sur un parking et pas payer et rester dans le camping car pareil. Bon, après la Bretagne, alors on a fait quelques étapes en Bretagne, on n'a pas tout fait bien entendu, on ne peut pas tout faire. Hein. Alors, on a voulu c'est faire. Très court. Voilà, on a vraiment voulu faire le tour. On a vraiment voulu faire le tour. Bon moi je. Doudou elle a des trucs qu'elle aime vraiment. Oui. Vous savez quoi, Doudou elle adore. C'est trop tôt là. Le mari m'a levé à 6h. J'adore vos maisons par contre, elles sont magnifiques avec ces toits pétus, ces pierres apparentes. Elles ont toute leur charme, vraiment elles sont très très belles. Les galettes salées sont très très bonnes, c'est vrai. Bah, les galettes bretonnes là, au blé noir. Au blé noir, elles sont bonnes. Ça, c'est une tuerie. Elles sont bonnes, elles sont vraiment bonnes. Ouais, ça, c'était une belle découverte aussi. Mais ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ces maisons, elles ont du caractère. Les maisons, elles sont magnifiques. C'est vrai que. Elles sont trop maintenant, belles. J'imagine, quand ils descendent dans le sud et qu'ils voient ces maisons rectangulaires, ils vont dire, oh putain, ça ne paye pas de mine. Elles sont vraiment belles. Non, elles sont jolies. Parfois, on a eu de la chance au niveau météo. Oui. On n'a pas eu de pluie. C'est vrai. Très rarement, c'est tombé une heure, cassé. Non, c'est vraiment, on a eu de la chance. On a fait de belles rencontres avec les Bretons. Ouais. Ils sont très gentils. Ouais, de toute manière, en général, partout où on a été, les Bretons qu'on a vus, abonnés ou pas, très sympathiques, accueillants, hein. Très bien. Alors, le seul hic que je mettrais, moi, c'est vrai que tous ces coins touristiques, ça commence à devenir comme en bord de Méditerranée, ouais. C'est très restrictif pour les camping-cars. C'est ça. Puis les airs, on est trop serrés les uns contre les autres. Ouais, c'est pas évident, ça devient critique. Et c'est vrai que dans le nord de la Bretagne, on avait beaucoup d'endroits où il y avait marqué quand vous rentrez dans la commune, réglementation spéciale pour les camping-cars. Donc déjà, ça te met au parfum, quoi. Des rues où tu n'as pas le droit de passer. On a eu de belles surprises ou des panneaux qu'on n'a pas vu. On est tombé devant la police nationale qui nous a fait demi-tour. Demi-tour. Mais bon, après, ils ont été cool. Ils ont été cool, non. Mais c'est oui, on a fait demi-tour. Pas vu le panneau. Et voilà, après moi j'ai beaucoup aimé après ce qu'on attend de la Bretagne, c'est-à-dire les falaises. Alors, les quelques falaises que nous avons fait, super. Et après moi je voulais voir surtout des petits villages de pêcheurs. Ouais, des petits ports. Voilà. Voilà. J'ai pas trouvé vraiment ce que je. Ouais, ce que ça te fait, waouh. Voilà. Non, c'est surtout que ce que je m'attendais avec un petit port de pêche, où le gars il y a son poisson, tu peux aller manger chez lui, manger son poisson frais, comme il y a souvent au Portugal. Bon, après, c'est un peu plus pauvre, donc peut-être que. Mais après, on a trouvé des petits ports de pêche bien agréables. Une belle découverte avec dans la ville, là. À Audrières, je crois que c'est. Je crois que c'est Audrières, là, où on est resté plusieurs jours, où j'ai fait la recette de pâte aux fruits de mer. Là, ça a été une belle surprise, ce spot aussi. Ah ouais. C'est agréable. Vous pouvez passer autant de temps que vous voulez. C'est vraiment un joli spot. C'est un coin à faire. Toi, tu disais, oui, parce que là, on va redescendre pour faire quelques petits travaux à la maison. Je crois que c'est ça que je t'ai parlé. Bon, en fait, là on descend. Bon, déjà, vous savez le souci de la chaîne. Hein. Donc la chaîne en fait bon ça va bien hein, mais là il faut qu'on la fasse pas trop sauter, pas trop. Trop bouger son corps voilà. Par rapport à sa queue. Donc c'est vrai que ça c'est dommage un peu pour elle, hein, pour nous aussi. Parce qu'il y a des trucs. Donc du coup là on va plutôt baser des visites de villages, des trucs voilà. Plats, quoi. On va rentrer dans les terres. Voilà. Donc là de toute manière il fallait à un moment donné qu'on rentre. Donc on a fait un peu. C'est pour ça qu'on a accéléré des parties, vous voyez qu'il y a des parties, on a fait de la route parce qu'il fallait avancer. Je voulais mal faire que le bas de la Bretagne, donc du coup on a fait le tour. Et une autre fois on refera le tour mais en faisant d'autres spots. Quoi. Et des parties que nous avons sautées. Ouais.
Non, mais sinon, après, bon, une belle découverte qu'on connaissait pas. Il fallait le faire. Voilà. On a pu le faire. Ouais. C'est très bien. Voilà, voilà. Bon, du coup, là, maintenant, on va redescendre. Alors, on ne sait pas encore où on va. Hein. Non. De toute manière, là, on va redescendre. Alors, on ne sait pas si on redescend par le centre hein, ou si on redescend par le bord de côte, un peu comme on a fait déjà. Non, mais je préférerais être dans le centre, c'est mieux, changer un peu. Tu préfères hein. Bah, bon, écoute, qu'on change un peu. Allez. Oui, parce que de toute manière, la Vendée, on l'aurait sauté. Bah, voilà. À la limite, on aurait fait l'île d'Oléron. On ne l'a pas fait. On le fera l'année prochaine. L'année voilà, prochaine. Hein. Tout ça, voilà. Bon, là, on va rentrer un peu dans les terres, on va redescendre. Direction de Villefranche-de-Rouergue, de Bois de Rodez. Parce qu'après, là-bas, alors on ne sait pas si on va bientôt la réceptionner ou pas, la maison. Donc, on va voir le notaire. Déjà, on n'a pas de nouvelles, donc il va falloir qu'on l'appelle. Ouais. En même temps, il va falloir laisser Jack. Donc, on a quelques petites trucs à faire. La maison, on a des premiers travaux à faire. En commençant par les toilettes. Ouais, on va changer les toilettes, un plancher pour une deuxième toilette, ouvrir une partie de la cuisine. Et comme de toute manière, on va être au mois d'août, il va faire au chaud. Donc je pense qu'on va commencer par, comme l'étage est fait, on va commencer par acheter une chambre, un lit. Ouais, tout ce qui est nécessaire. Voilà, voilà, de pouvoir dormir à la maison déjà, dès qu'on sera plus au frais d'ouvrir tout. Oui, je sais, on a le camping-car pour, mais comme il va faire très chaud, que le camping-car sera au soleil, on va l'abriter, il vaut mieux qu'on soit à la maison. Ouais. Donc on va faire ça, de toute manière, on continuera les vidéos, on fera. Donc en octobre, on va reprendre la route. Hein. Donc là, on sera tranquille, en pleine tranquille. Hein. Pour la durée, il n'y aura plus d'histoire de 3 mois. Mmh. Oh là là. Ben là, on va partir jusqu'au printemps. On va prendre la direction, vu qu'on va attaquer l'hiver, on va prendre la direction de l'Espagne, de toute manière l'Espagne on adore. C'est vrai qu'on ne connaissait pas l'Espagne. Ouais, mais là... Nous on connaissait que Barcelone, parce que moi j'ai de la famille sur Barcelone. Donc chaque fois on allait à la famille. Et en fait, l'Espagne on ne connaissait pas quoi. Donc du coup là qu'on a découvert l'Espagne, c'est top là. En fait là, vous avez tout quoi. L'Espagne l'hiver, vous avez les spots. C'est ouvert, c'est toléré un peu de partout jusqu'au mois de mars. C'est pour ça, c'est génial. Les autoroutes sont gratuites, comme ici en Bretagne. La météo, voilà, comme tu dis, la météo. Nous, l'hiver, chaque hiver qu'on a passé, on n'a pas chauffé. On chauffait que le matin, on mettait une heure le chauffage le matin à 7 heures. Pour mettre un petit coup. Nos grands supermercadona. Voilà, les magasins, puis c'est moins cher, les restos sont moins chers. Pas photo. Sont souriants, agréables. C'est vrai que l'Espagne, on aime beaucoup. Alors, c'est vrai que le problème de l'Espagne, c'est qu'en hiver, quand vous allez dans les terres, il fait aussi froid qu'en France, quoi. Je crois qu'on ne te voit pas l'intime, là. Si. Ah. Voilà. C'est bien que ça porte à fond, le truc. Ah, d'accord. Celui-là. Je aussi. Ouais, en fait, dans l'intérieur des terres, il fait aussi froid qu'en France, donc c'est ça aussi qui nous empêche un peu d'aller faire l'intérieur des terres. Donc après, ça ne nous empêchera pas de s'écarter un peu du bord de mer et de faire un petit peu. Un truc que je voulais dire, parce que c'est vrai qu'après, on n'a plus fait de rendez-vous abonnés, mais en fait, c'est pas qu'on ne voulait pas en faire, c'est qu'on ne trouvait pas de lieu pour donner... Voilà, pour que vous puissiez venir, qu'il y ait de la place et qu'on puisse sortir les tables. C'est ça. Le problème, il était là, quoi. Parce que bon, si après on se retrouve, on connaît des dizaines de personnes, on ne pourra pas le gérer dans le camping-car, quoi. Ah non, comme il est. Il est gros, lui. Il est petit. Ouais, celui-là, ça, c'est Yarada. Non, c'est 110, 63. Non, c'est parce qu'il était rouge. Ouais, parce que c'est le temps que j'accélère. Et... Oui, voilà, donc on n'a pas pu trouver, on n'a pas pu faire. Puis après, on a beaucoup changé. Et à part dans ce fameux petit port de Plaisance, on est resté quelques jours. Et encore là, on l'a rencontré. Ouais. Vous connaissez. Ouais. Du coup, on a récupéré les abonnés qu'on a rencontrés, ils se sont abonnés. Et donc, à part là, après, on ne pouvait pas, quoi.
des spots de nuit, c'est des spots. Il n'y a pas de vous pouvoir. Arrivez, à la limite, vous restez qu'une journée. Voilà, c'est ça. Vous arrivez, vous restez le lendemain, et le surlendemain, vous repartez, quoi. Donc, on a fait beaucoup comme ça, quoi. C'était pas possible. Voilà, voilà. Dommage. Mais bon, on fera. Oui. Bon, après, on est pas, c'est pas dit qu'on en refasse pas en descendant. Aussi, ouais. On trouve un joli spot. Hein. Aussi, ouais. Tout droit, alors, quoi. Alors, là, c'est tout droit. Tout droit, tout droit. Bon, ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Regardez-moi cette circulation. Bon Dieu. Un bouchon. Ah ouais, ouais, ça. On arrive aux grandes villes. Hein. C'est la folie. À Crévin. On arrive dans 2 minutes. Hein. Ah, tu vas aller à gauche. Crévin. Il faut pas crever ici. Parce qu'il faut pas réparer les pneus. Crévin, camping-car. Ah, ça va. Je vois les camping-cars. Ah ben voilà, c'est lac là. Et tout. Ouais, c'est là. Ça a l'air sympa. Il y a la supérette là pour le jeton. Ben voilà, c'est là, ouais. Ah ben voilà, c'est là. Il y a le lac, ouais, t'as raison. Bon, les jetons, il faudra les chercher avant qu'on se fasse avoir si on tombe le week-end. Ouais. Alors là, c'est là qu'il faut aller les chercher, super, tu vois, il y a le lavage et tout. Bon, et par contre, pour les places... Il y en a une là. C'est où, quoi. Là, il y a l'eau, tu vois, et là, il n'y a pas envie. Ouais. Là, tu mets trop mon cœur. Mais au milieu, là. Non. Ouais, vas-y. Ou là-bas en face, là. Ouais, je pense que tu peux ouais, mettre là. Ouais, je vais mettre là-bas en marche arrière. Voilà. Voilà, ce sera le mieux. Bon, ça y est, nous sommes arrivés. Donc, je vous montre. Bon, ben voilà, Doudou de bon matin. Elle ramasse les M&M's de moustiques. Oui, oui, moustiques. Bon, voilà notre air. Sacré alors, c'est... C'est à Crévin, bon, vous voyez sur la vignette par Fortnite. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, et en fait, ah, tu vois, ah, ça te manque, c'est bien. Eh, je la force à Doudou qu'elle prenne sa canne. Et ça fait que du coup, dans ces terres, vous pouvez faire le plein d'eau, remplir l'eau, vidager les eaux grises, les eaux noires. Vous pouvez tout faire, il y a les poubelles. Alors je vous montre, je vous montre. Alors là-bas, hop là, là-bas on voit le doigt, là. Vous avez un utile, une supérette, où vous pouvez récupérer le jeton. En fait, quand vous faites un achat, il vous offre le jeton. Un peu plus par là-bas, vous avez un genre de snack, là-bas. Hop là, où en fait, vous pouvez acheter sandwich, pizza, hamburger. Okay, bah, ouais, ils font plein de trucs. Hamburger. Donc c'est une aire confort. Non, et là vous avez un petit parc. Alors hier on a fait le tour. On a fait le tour hier. C'est sympa. Alors là tout autour on leur a fait un prolongateur de l'Est. Hier on a fait un essai. Ça devait être concluant. Non c'est bien. Eh, ça a l'air d'être à la bonne longueur. Ça va, hein. Mimi. C'est juste qu'il faut faire attention que la queue se coince pas avec le... Bah alors on y va, on va au village. Ouais, comme dit Doudou, j'espère qu'on va pas prendre l'eau. C'est, le temps, il est un peu bizarroïde. Parce que là... Alors, je vous montre d'autres vues. Hein. Parce que là, on est monté. Regardez, on reconnaît bien Jack. Hein. Bon, ça va, ça vient. Hein. Ça va, ça vient. Ouais, ça va, ça va. Bon, là, je sais pas si le gars, il a fait esprit. Parce qu'il y a des canards, mais c'est énorme. Il a fait ça énorme. Alors on voit les poules aussi. Alors normalement il y a les moutons là. Il a dû les garder à l'intérieur. Ah, on voit il leur a donné ça là-bas. On voit le potager qui là. Il y a un énorme potager. Ouais. Ah ben on voit les moutons là-haut. On en voit un de moutons. Regardez.
peut pas les faire profiter d'abord. C'est le service de nettoyage. Eh, hey, petit canard, c'est les poules d'eau. Bon, ben voilà. Et comme quoi, hein, les s'écartent de l'eau. C'est super la mer, mais bon, on voit que dans les communes, c'est quand même plus convivial. Là, il y a des airs. Plus on arrive à trouver les spots. Vous trouvez des airs de partout. Vous pouvez vous carrer, vous avez les commodités à côté. À la limite, les villages sont contents que vous veniez, ce que vous allez acheter. C'est quand même autre chose. Nous, c'est vraiment parce qu'on aime la mer, mais sinon, c'est vrai qu'on ne ferait que de l'intérieur. Bon, de toute manière, là, on va redescendre par l'intérieur des terres. Et normalement, on devrait voir que des beaux trucs. Bon, normalement, pour le prochain spot qu'on a vu... Dans les bois. Ouais, ça devrait être dans les bois. Normalement. On devrait être dans les bois. Attention au loup. S'il pleut pas, parce que s'il pleut... Ouais. On ne veut pas y aller. On verra ça. Alors là, on a préparé quand même, on a regardé sur Parfumerie deux spots, du coup, pour aller en avant. Alors chacun, il est à une heure. Bon, comme vous savez, hein, sur le Parfumerie, quand on le met sur le map, il y a marqué une heure, et en fait, ça fait une heure et demie. Hein. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on roule la même allure que les voitures. Hein. Voilà. C'est bien par là, les doudous, que j'ai pris. Ouais. Bon, ben on suit le panneau, hein, centre-bourg. Du coup, on traverse un lotissement. C'est bizarre, des scupitulures un peu bizarres. On va laisser reculer. Ah, ça y est. On voit le bourg, là. Hop là. Avec son église. Allez, on va voir. Bon, je pense que ça va être un peu plus haut, non, dis donc. Il n'y a que ça, je crois. Non, il doit y avoir une boulangerie et tout, quand même. En principe, il y a toujours un bar et une boulangerie. Boucherie, charcuterie. Voilà. Ah, rue Constable. Ah oui. Très bien. On va pouvoir poser le... Le courrier, c'est un sticker qui a été commandé. Donc, on vous l'envoie. Alors, on va voir. Tiens, dis-donc, ouvre le sac. Hop là. Alors, c'est qui? C'est Claudie. Claudie. Bon, Claudie, ça part aujourd'hui, mais bon, tu l'auras reçu parce que c'est un décalage. Hein. C'est dans la boîte. Comment? Ouais. Ah, la boulangerie. Oh, les livres. Alors. Ah là, il y a un snack et tout. Bon, je vous montre. Donc, vous avez un snack, une boulangerie, charcuterie. Très bien, quoi. Partout, tout. Partout, tout. Ah, mais c'est trop bien. Oh, vous voyez, on est à 450 mètres, on n'est pas loin. Pas c'est pas loin le bourg. Il y a un peu tout. Ils ont tout fait l'extrémité pour pas être trop loin. Ouais, ouais, tout est centré. Ah, va bien mouli toi. Hein. Ah ouais, elle tire. Hein. Ah, il est beau, blanc. Allez, les canards, là on les voit. On est dans le retour de notre chemin. Et on voit les canilous. En bas. Eh ben, ah oui! Le pont, je regardais au loin. Ils ont fait des trous dans la terre. Hein. Bon, elles sont grosses. Hein. Non, pour, elles se lavent. Hein. Elles la terre. Ah ouais? Tous les plus que les gens. Les parasites. Oui, mon père, oui. Regardez ma fille. Oui, ma fille. Elle est plus en forme. Mais oui, tu es bien, mon amour. Mais oui, tu es bien. La piqûre qu'on t'a fait, tu peux être que bien. Ah oui. Bon, on voyait la queue. La queue, elle est en haut maintenant. Le voyageur à côté, là, il fait énorme. Hein.
Bon, on va aller au Hyper U là. On va aller prendre du pain. Du pain, ouais. Du citron. Ouais, du citron aussi. En même temps, on prendra un jeton. Ouais, voilà. Oui, parce qu'en fait, avec le jeton, ça vous fait que 70 litres. Au bout de 70 litres, il s'arrête. Bon, donc, du coup, nous, il nous faut deux jetons. Donc, du coup, comme on va aller chercher le pain, quatre trucs. Et voilà. Ben, vous attendez maman. Et elle fait quoi? Elle est allée acheter le pain et les citrons. Et les citrons. Bonjour les amis. Bon, je vais vous montrer. Vous trouvez que Jack est grand, hein? Vous le trouvez grand. Eh, c'est vrai que bon, il est quand même imposant, hein? Ben alors, j'ai trouvé plus grand, hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ce voyageur. Ça, c'est des voyageurs. Ah oui. Regardez-moi ça comme il est beau. Je trouve qu'il a une gueule devant. Il est vraiment imposant. Il est vraiment imposant. Il est magnifique. Magnifique. Il est de toute beauté. Il est de toute beauté. Bon, ben, il porte bien son nom, hein, c'est bien voyageur. Hein. Bon, ben, Jack, t'es grand par le talent, je le sais, toi. Bon, je vais vous montrer. Alors là, on a fait l'arrière. Hein. Dégalé. Hop, oui, c'est un peu sec. Radis du tout. Et on a été obligé de faire un petit clin d'œil pour la Bretagne, quand même. Hein. Et ça, c'est pour des amis faire chantipote. Donc celui-ci, on va le laisser par ici. Alors, je sais pas. On vous montrera. On montrera avec Doudou où c'est qu'on le laisse. Hein. Allez, bon, on vous fait des bisous. Bisous, bisous. Bon, allez, je vais aller voir si Doudou est dehors. Regardez comme c'est joli. La nature. Hé, hey, salut papa. Ça va là, t'es bien là? Ah bah écoute, moi ouais, dès que tu me mets dans la nature, je suis bien. T'as demandé de mieux, hein? Ah oui, oui. Non, là on est très bien. On est bien là, hein? Ah oui. Ben c'est pour ça qu'on a donné, on a fait le rendez-vous pour demain, pour les faire chantipote, pour ceux qui veulent nous voir dans le coin. Voilà, il y a de la place en plus. Voilà, c'est pour ça, parce que tu peux pas le faire partout, hein? Non. Alors du coup, on a eu deux réponses en fait, de deux couples, mais qu'on connaît déjà. Ouais. C'est les fidèles. Ouais. Alors un couple qu'on a vu quand on montait là, ouais, en Bretagne. Et un autre couple qu'on avait vu au camping de l'été dernier. Ouais. Ils sont venus nous voir. Ouais. Et là ils sont dans le coin, du coup ils nous ont envoyé. Ils vont venir, ouais. Ok, on arrive demain. Voilà, mais on les attend avec plaisir, bien entendu. et bien d'autres si vous êtes dans le coin. Ben oui. Bon, c'est sûr que là, quand vous voyez la vidéo, nous n'y sommes plus. Hein. C'est pas la peine de venir, on n'y est plus. Hein. Bon, le spot vous servira. Bon, allez, va. Et on aura mangé toutes les pain pizza que je vais faire. C'est tant pis pour eux. Pour l'apéro dînatoire. Allez, bisous. Allez, bisous. Hello. Bon, on est en pleine préparation là pour midi. Bon, midi, une heure. On m'attend une heure, jusqu'à une heure pour faire chantipote qui vont venir. Alors là, je suis en pleine préparation. Donc du coup, j'ai coupé deux cakes que j'avais fait, un au thon et un au fromage. Et là, je suis en train de faire des pains pizza. Alors, bon, il y en a au jambon fromage et chèvre miel. Je pense que ça va le faire. Hein. Des petites cacahuètes, petites chips. Et voilà. Bon, ben, on les attend. Bisous, bisous. Je vérifie si je l'allume. Je vérifie si je l'allume. Bon, tout le monde s'est bien coiffé. Oui, c'est bon. Et Didier. C'est bon. Bon, ben, on vous présente alors Didier et Véro. Alors, là-bas, la madame, là, on l'a déjà vue. Elle a déjà vu, vous l'avez vu quand on est monté en Bretagne. Alors, du coup, on n'arrive plus à s'en séparer. Hein. Ils sont adorables. Et Bruno, au Guernon. Guernon. Il se moque de moi, Bruno. Heureusement que tu avais mal à la tête ce matin. Non, c'est le nickel, cachet, hein. C'est efficace. Et le jour où elle a mal à la tête, je vous appelle, vous venez. Hein, c'est nickel. C'est méchant. T'es coupé là.
Ah non, non, maintenant j'ai dit que je ne coupais plus. Je ne coupais plus. Regardez comme il est adorable lui. Et Niki. Niki. Je crois que c'est un cousin à Molly. Et à Molly, elle lui ressemble beaucoup. Hein. Et moi, Fifi. Après, là, oui, ils sont partis. Dis que tu vas mieux. On va me demander. Oui. Ah oui, on te le demande. On va te le demander. Bon, on attend qu'ils arrivent et on sortira l'apéro après. Bon, on se voit tout à l'heure. Moi, je suis petit déjà. Non, mais bon, après. Non, après, ça serait dommage. Ça serait dommage. Bon, ben, allez, ça y est, on est de retour. Bon, ben, on fait l'apéro. Hein. On attaque. Bon, santé à tout le monde. Hein. Santé à tout le monde. Alors, il y a des nouveaux que vous n'avez pas vus tout à l'heure. Alors, c'est Christophe. Pascal, elle n'est pas servie. Christian. Pascal n'est pas servi. Et Anna. Bon, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci de nous. Bon, il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a d'autres cet après-midi, ouais. Si, santé. Santé à tout le monde. Santé, Anna. T'as pas servi Pascal ? Si. Non. Allez, je trouve. Qu'est-ce que vous voulez ? Tiens, les amis. Allez, mais à Pascal, voilà. Ouais, mais là c'est ton mari qui t'a zappé, tu le sais. Ce que j'y ai dit à ton mari, moi je veux pas d'histoire, mais. Ah ouais, attends, je vais te servir. Hein. Qu'est-ce que tu veux, Ah ouais, mais c'est parce que t'avais demandé l'orange, c'est pour ça que je t'ai pas servi. Non, l'orange, je la sers pas. L'orange, je la sers pas. Non. Quoi, la pauvre hein. Tu l'as jopé. Attends, hier, elle a pas bu une goutte d'orange hier, et là elle nous fait croire, elle nous boit de l'orange. Là, je rigole, c'est que des conneries, que si vous la connaissez, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attention. Hein. Merci. Attention. Voilà, nickel. Bon, ben, à tout à l'heure alors. Bon, et je refilmerai quand il y aura des nouveaux cartes. À tout à l'heure. Ça m'arrive souvent. Bon, vous le savez. Bonjour, bon, alors on a Marguerite. Bonjour. Et Gaston. C'est pas que je me retiens plus des dames, mais. Ah oui, mais Gaston, oui, en plus j'ai appelé Gaston. Ouais. Et oui, c'est pour ça que je vois sur les vignettes Marguerite. Gaston, ouais. Je vous connais, même vignette. Ouais. Mais vos messages, je vous connais. Et vous avez l'autre Marguerite. On a fait des jolies fleurs aujourd'hui. Jean-Pierre aussi. Les Bordelais, qu'on s'était déjà vu. C'est signe comme ça parce qu'avec vous, Marguerite, ça peut avoir une confusion. Une confusion. Ouais, ouais. Bon, par contre, vous arrivez tard, hein, on a entamé, hein, on avait faim. On avait, les dents qui poussent, alors on a attaqué. C'est pas un souci, ça. Oui, mais j'ai dit. De toute façon, on s'en fiche, on a le dessert pour nous. Voilà. Oh, c'est parfait. Bon, vous pourrez rester. Bon, ben, à plus tard. Je crois qu'ils ont entendu qu'on était au régime. Mon Dieu. Ils font des bons trucs ou pas de Calais? C'est joli. Bon, alors le fraisier, bon. La tarte aux fraises, là, c'est génial. Et ça, c'est de la rhubarbe. Et là-bas, je crois que c'est aux pommes. Ah oui, pommes, ouais. Tiens, regarde, je te passe, tu me fais un plat rapproché. Merci. Regarde mes agapantes. Ouais. Tu m'avais envoyé des fleurs aussi, ouais, je me rappelle. J'adore les fleurs. Hein. Je sais. Ouais, j'adore les fleurs. Merci Marguerite. De rien. Hein, elle m'a fait la caméraman. Mais ça fait un moment que tu nous écris aussi. Elle est là. Alors, la fautive, c'est Marguerite là-bas. Là. Je lui ai dit, ils sont où les galets? Ah. Cachés où les galets? Ah d'accord, mais moi je comprenais pas. Bon, c'est vrai que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Tu vois, mais... Alors, et toi tu m'as gruné là, tu m'as dit, il faut, je sais pas. Alors dis-moi maman, attends que je te vois. Je dis qu'il j'ai rien à dire. Ils sont où les galets? Ça, je suis obligé de couper. Je ne peux pas le laisser, ça. Et... Je suis obligé de le sortir, il m'énerve. Ça vous fait rire, ça. Ça vous fait rire. C'est pas mal, Fabien. Bon, il y a mon ami Jean-Pierre là-bas qui coupe le gâteau, là aussi. Jean-Pierre, fais-nous la fleur. Bon, on vous a pas tout montré. C'est divisé par 10, hein. Alors là, c'est pas évident. Hein, 10. Ouais, mais t'as l'habitude, après, si, pour des familles nombreuses. Hein. Hein. À la maison et je coupais un angle de 72 degrés parce que trop fois. Oh là, mais là, tu m'as perdu. Non, là, tu m'as perdu, Jean-Pierre. Là, tu te moques de moi, là. Tu m'as perdu. Alors, j'avais fabriqué un angle oui, de 72 degrés pour avoir 5 parts d'égal parce que les filles. D'accord. On a 3 filles. D'accord. Heureusement que j'ai enregistré pour me le repasser. C'est fantastique. Surtout, ne te coupe pas un doigt. Hein. Non, vas-y doucement. Hein. Non, arrête-toi, toi. Je ne vais pas couper le doigt. Ouais. Bon, Doudou, alors, ils sont où les galets? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a assez. Non, bon. Mais il n'y en a pas. Elle tremble. Ferme-lui la porte. Elle tremble. Ouais, ouais, ouais. Allez, ferme-le, fais par rapport à la queue déboîtée. Va ta place. Je l'amènerai. Allez, au dodo. Hop.
Voilà, que je coupe. Putain, le travail que je vais avoir. Ah, mais c'est toi aussi, tu parles de la queue, tu parles de tout là. Non, j'ai pas parlé de queue moi. Non, mais ça y est, ils ont trop vu. Ils ont trop vu. Ah, celle-là, faut pas couper, hein. Si, vu. Bah, de tout, je vais les chercher ou tu vas les chercher non, les galets. Non, ils sont pas jolis ceux-là. J'en pourquoi ils sont pas jolis? Mais si. Mais ça fait rien, c'est l'inquiète. Non, je les aime pas. Bon, j'y vais. Ah, ouais. Alors. C'est quoi un petit verre? Tiens, ça vous les pierres! Je les ai! Tu les as trouvés chez je les ai, c'est un sketch! C'est un sketch que tu me fais là! Mais c'est toi qui veux! Moi, ils sont pas jolis, je les aime pas ceux-là! Ça fait, j'ai rien que ça fait! Ouais, bon, c'est la fameuse boîte! C'est ce qui reste! Ce n'est que du faut que j'en refasse. T'as récupéré des galets un petit peu, non, c'était, il y avait marqué. Attends. Frisquet, allez. Ah bah oui. Parce que Jack, il faut qu'il s'allège. Hein. Il a une surcharge avec les galets. Non. Mais pourquoi c'était pour prendre? Ah, d'accord. En vérité, c'était celui-là qu'il fallait que je cache. Ah oui, celui-là. Ah oui, il est beau celui-là. Trop galé. Ah, c'est sympa. Marie Chantal, merci. C'est super bien. Mais de quoi? Oui, c'est tard. Il reste ces deux. Oh, Jean-Pierre. Mais oui, mais t'es une artiste. Mais oui, t'es une artiste. Allez, dis. Là, allez. Bon, ben, allez, je prends ton verre, Doudou. Allez, on fait un chantipote aussi. Et on fait un chantipote surtout. Je vous embrasse très fort. Et on rigole pas au champagne. Ah non, au champagne. La première fois au champagne. Hein. Merci, Didier. Merci à tous. Et Véro. Véro, pour les intimes. Quand même, je connais bien le site. Véro pour les intimes. Ouais. Merci pour vous. C'est vous qui êtes venus avec le soleil, tous. C'est ça. Oui, moustique. Toi aussi. On n'a pas beaucoup de gâteaux. Il n'y a pas beaucoup de gâteaux sur la table. Hein. Non, pourquoi tu as derrière la table? Parce qu'on m'a fait beurre. T'as pas entendu? Oh, chichounette. Ah, bah, oui. Ah, ils ont fait un sourire. Ils ont plein de tout titi, tonton. Ils ont fait un regarde. Sourire. T'as vu cette star? Attends, ouais, t'as vu ça? Je pense. Je suis content de te voir. Ouais, super. Bah, ouais, l'année dernière... Non, ça va. Ouais, ouais allez, ouais. Tu me l'enverras, ouais. Non, ça va. Ah ouais. Ça va. Ah non, c'est tu c'est fais bien. La statue non, de la liberté. Qu'on se sert. Qu'on se sert. Non, mais viens par là. Tu sais, on va pas par là-bas. C'est à côté de ton bambou. Mais non, mais moi, je fais comme ça. Tu vas voir, regarde. Bon, on vous dit au revoir. Au revoir, à bientôt. Et là-bas, il faut que tu arrives. Au revoir. The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine.